Et on se retrouve pour la prochaine et dernière mission des Zergs de StarCraft, premier du nom. C'est parti, en avant. La boucle est bouclée, couvée Zerg, orbite haute, ailleurs monde natal des Protoss. Allez, il faut détruire le temple Protoss. Let's go! Ouh là là, oh la map, elle a l'air gigantesque. Elle a l'air très très grande. On va vite rajouter des hatches en plus. Voilà, ça gogolise. C'est super. Ah, il est chiant celui-là. Pourquoi il veut pas la se poser lui? Ah, c'est la. La larve qui gênait, très bien. Alors, on va quand même aller regarder sur les côtés de la map. Il y a encore du minerai là. On pourra en mettre une ici finalement. Et là également, donc c'est une map où ouais, visiblement il va se passer beaucoup de choses. Okay. Merde, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, je vois le genre. J'ai peut-être fait une de trop. Tant qu'il y a un gaz, celle-là j'aurais pu la décaler un peu plus haute. Est-ce que c'est de quoi? Hein? Quoi? Pourquoi? Pourquoi il m'embête lui? En plus il fuit! Oh là! Petit bêtard. Allez, go, go, go. Oui. Ah, il est coincé. C'est genre un petit zergling tout droit. Qu'est-ce que ça raconte? Je pense qu'il va prendre cher, mais on sait jamais. Oh, c'est bizarre, les larves, elles pop de l'autre côté. Normalement, elles sont toujours sur le côté bas du bâtiment. Et là, ils les font popper en hauteur, c'est marrant. C'est tellement loin. Bon, il a pas le speedling après, mais quand même. Tu sens qu'il y a de la route. Il y a quelques bornes. Il y a de l'ops. Et il y a des petits photons. C'est rigolo parce que finalement. Y a pas tant de, y a pas de défense sur le chemin quoi. Enfin, il n'y en a qu'ici. Sachant qu'il faut juste que je détruise ça. En théorie, on pourrait faire une espèce de rush. Après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il y a un espèce de wall, un truc, mais. Putain, mais lui aussi, mais c'est l'arbre de l'autre côté, c'est relou. Enfin, ça sera bien pour les prods d'unité, comme ça, sortiront du bon direct du bon côté, mais pour les ouvriers, c'est un peu relou. Hein, de quoi? Pourquoi il attaque lui, il est con? Je suis en train de. Il sent pour avoir la hache. Je t'aime pas, j'aime pas. J'aime pas ton bâtiment. Ah merde, il manque un. Un over. Ok, on commence à avoir quelques.
Quelques ouvriers, c'est cool. On va foutre la spawning pool. Ah, nops. Voilà. Allez, go, go, go. Toujours plus de drones. Va falloir aussi qu'on aille prendre du gaz. Hein. Eh merde. T'as le casse-burne. Il s'était tellement bien placé en plus. Ah putain, barre-toi, toi. Il faut une chambre d'évo pour l'entière. On va faire ça là. Ok. Bon là j'envoie une énorme chier de... d'ouvriers, donc là on devrait être bien après. Faut une spine là. Voilà, là j'en ai 8 de plus. Ça va y aller de ouf. Après, de toute façon, mon objectif c'est déjà d'aller nettoyer les bordures de la map pour être tranquille. Donc, is ok. Tu vas faire l'entière, on va faire le plus 1, je sais pas. Et du coup, on va envoyer les gaziers. Hop. En attendant de reposer une hache, hein, bien sûr. Mais au moins, on commencera à en avoir. Ils ont un comportement très bizarre quand même, les drones, hein, des fois. Je pense que ça, c'est quand il y en a trop. Ils savent pas trop quoi foutre, du coup, ils se positionnent un peu partout et n'importe comment. Tanière d'Hydra, on va cliquer le T2. Cliquons le T2. Ah, il me faut des dominants. Des dodos. Ok. Ah oui, là j'en ai un petit peu beaucoup quand même. Calmez-vous. Ok. Tu vas foutre une hatch. Voilà. Nice, nice, nice. On va cliquer les petites upgrades aussi qui vont bien. Ouais, barrez-vous. Ok. Bon, c'est voilà, c'est encore des maps de macro de fou. Hein. Après, j'imagine que si on fait des... Il y a des techniques de speedrun qui peuvent permettre de faire des roches des enfers, mais... C'est pas trop le projet, quoi. Ça gâchera un peu le plaisir. La découverte, enfin la redécouverte plutôt. Parce que là, en vrai, je pense que tu fais une énorme masse de zerglings, tu peux passer, hein, à mon avis. À mon avis, il y a un monde où ça passe. On va mettre une deuxième spine, au cas où. Ok, le T2 qui s'est fait, on va poser le bat à Queenas. On va peut-être essayer d'aller pécho une des bases. Alors c'est chiant parce que là faut monter, mais de toute façon on n'aura pas trop le choix. Il faudra bien y aller à un moment ou à un autre. Donc il y a la hatch qui se termine également. Du coup là, il va falloir que je relocalise des petits drones. Voilà. On peut même déjà les pré-shot. Ah putain, c'est relou. Ah, c'est relou. Les arbres qui gênent. Ah, les casse-burnes. Les petits arbres qui gênent. Ok, vas-y, go. Allez, on fonce dans le tas comme des bourrins. Oh merde, un carrier. Oh putain, salaud. Salaud. Il est en 1-1-1 en plus.
Putain. Incroyable ça. Et cassez où? Allez, ah mais il y a une bonne base en fait. Hein. Je pensais que c'était un petit campement à la con, mais pas du tout. Il y a du matos, on dirait. Et puis j'ai pas fait le boîte de la range. C'est vrai que je devrais peut-être plutôt faire la range en premier. Première. Ouais bon, ah il y avait de la robot quand même. Hein. Ah, c'est bon, c'est géré mais. Oh putain, il m'a pris mon ultra cet enfoiré. Salaud! On va faire une vague de drones. Bah on va faire comme. On va refaire des gardiens hein, comme à la précédente. Ce qui s'était montré quand même très efficace. Il y a une base ou pas là? Oh, ce serait bien. Hein. Ce serait bien qu'il y ait encore une autre base. Oui, il y en a une. Avec du gaz en plus. Avec du gaz à l'onf. Oh merde. Libère-toi. Hein. Ok, nice. Et où? Hop. Allez, tout ça, ça va là. On envoie un là-bas. Ouais, elle est là. Et il renvoie les troupes, hein. Il essaye, hein. Mais bon. C'est pas avec un zélote qui va faire grand-chose, quoi. Ouais, vas-y, on va faire des Younglings. On va peut-être poser le Bata Ultra également, c'est pas mal ça. On n'en a pas fait, on n'a pas trop fait sur la game précédente, mais là, il y a peut-être un monde où ça peut être intéressant. Encore une autre là, hein, pour le gaz, bien sûr. C'est là. C'est le genre de jeu où faut pas hésiter à reprendre des bases de partout, quoi. Pour le coup, on va faire des déplacements, on va faire des speed. Speedovie. Ah merde, j'ai mis ce clic comme un ouf. Je les ai pas envoyés au bon endroit. Oh, fichtre. Vas-y, hop. Je manque beaucoup d'ouvriers maintenant. J'ai pas fait le crackling, tiens. Hop. Hop, allez, on clique tout. Hein. On clique tout comme des oufs. Ah c'est. Ah il y a encore du minerai là! Oh là là, incroyable. Allez, en tout cas la base ici, c'est terminé, on n'en parle plus. On est bien. On est bien là, voilà. Hop. Ok, là ça bosse pas non plus. Parce qu'elles sont. Merde, mes troupes. Voilà, nice. Ok. Je peux voir ce que ça fait si j'attaque. Oh, ça en fait des over ça. Ouais, ok, il y a un peu d'unité quand même. Il y a des carrières, des machins. Après, si je passe tout droit, il y a peut-être un monde. Il y a peut-être un monde où ça passe. Tiens, on va cliquer des. Voilà, des upgrades en plus. J'ai le crackling qui est terminé, ça c'est bien. Elle est tellement grande la map. Peut-être se foutre des over un peu partout, là j'en ai plein qui glandent. Ça nous aura peut-être à y voir un peu plus clair. Hop. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un ops. Rien de bien foufou. Ah j'ai toujours pas pris le gaz là, merde. Ah bah oui.
pour prendre une hache ici. Voilà, on perd pas de temps, on prend tout ce qu'on peut. Qu'est-ce que c'est? C'est Zelo de tout à l'heure, ça. Vas-y, barre-toi, toi. Barre-toi de là! Il y a encore du minerai là? Bon, non, mais il y en a partout. Qu'est-ce que c'est? Oh, le salopard. Salopard! Normalement, il a un seul, c'est pas suffisant, mais. Ouais, il faudrait deux zélotes pour le tuer. Avant la fin de la construction. Non, 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 pourquoi ils y vont? Mais non, mais pourquoi ils y vont? Oh non! Oh les abrutis, putain. T'as pas demandé d'y aller direct, tête baissée. Comme des oufs. On peut l'atteindre ou pas? Ouais, il y a des archons, il y a des trucs quoi. Ils crèvent pas ces putains de zélotes. Bon, en vrai, il y a un monde où ça passe. Hein. Il y a un monde où ça passe. Il me faudrait juste du gaz. Merde, il est là. Putain, non, c'est pas ça. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Il y a un autre là. Cool. Quoi là-bas? Ah, c'est un ops. Un ops, c'est ok. Du coup. Hop. Ça, c'est chaud d'avoir du gaz, hein. Alors pourquoi ils vont là-bas? Je ne sais pas. Ils ont dû croiser un truc, ils l'ont suivi, je pense. Allez, on va aller nettoyer la base à droite. Et on sera pas mal. La glande, ça? Ah, j'ai pas de gaz! Il y a tout le monde de boulot là. Vite, 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 vite. Gaz Vespen est épuisé. Oh merde. Ah, ça c'est relou. C'est-à-dire qu'on va continuer à en récolter, mais à un rythme bien moins intéressant. Donc pas ouf. Pas ouf du tout. Allez, ressors-moi des... Ah oui, putain, oui. Il me faut les dominants. Alors, là, ça bosse pas. Hop. Donc là, cette fois, c'est bon. Ah, putain, c'est relou, ça. C'est relou, ça. Voilà, merci. Hop. Qu'est-ce que c'est encore ça? Non, c'est... Ok. La cour. Oula! Ah oui, bah là, je suis... bah là, oui, je suis à 200 de pop, là. Non, mais barrez-vous, par contre, s'il vous plaît. Merci. Et on a les obélisques qui tournent. Là, on a ça. On va faire plus de 100. Où ça? Ah, c'est là. Oui. Oh, putain de merde! Oh, non! Oh, il m'a fait un masse de merde. Un masse zélote. Bon, c'est pas grave, faut qu'on y aille de toute façon. Faut qu'on aille lui casser la gueule. Merde, il y a un scout. Ah putain, faut faire un détour aussi grand. Merde. Oh, le détour de l'enfer. Ah, il est de l'acheter.
Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce qu'il y ait un détour aussi grand, quoi. Et ça, c'est bon. Là-bas, alors, du coup, on va refaire ça, on va refaire ça. Toi, tu vas aller poser directement le gazou. Ouais, puis bon, ça va. Après, c'est, voilà. C'est une grande base, mais il n'y a pas grand-chose pour défendre. Visiblement. Du coup, bah, y a... attends, mais ah oui, ah mais oui, non mais attends, parce qu'il y a le, y a tous les photons là. Il y a le photon. C'est, ah, il a reconstruit une gate. Il a construit, il a construit. Hein. Il essaye. Voilà, nice. Allez, go. Hop, allez, ça c'est réglé. Next. Oh, bah ça en fait du monde là-dedans. Ah putain, il me renvoie les unités, cet enfoiré. Mais casse-toi, quoi. C'est bon, t'as perdu là. Oh, le casse-burne. Vas-y, dégage. Merci. Oh, le relou, quoi. Waouh! Ils savent plus quoi foutre, les gars. Bah, quoi que tu en, on va en transférer. Une bonne partie là-haut. Hop, c'est quoi là-bas? Ça se tape. Oh merde! Oh, le masse aérien. Ok. On va en refaire plein. Toutes les upgrades. Oui, j'ai toutes les upgrades là-dessus. Les petits gaziers, toi aussi là. Hop. Oh, le relou! Relou, man, il est partout! J'aurais pas cliqué. Oh, le giga casse-burne. Ok, ça c'est réglé. Putain, par contre, ouais, du coup, il m'a pété mes. Mes ouvriers, quoi, c'est relou! Allez, on envahit tout. Bon, j'ai presque envie de dire ça passe. Hein. Franchement. Ça donne quand même la grosse impression que ça passe. Hein. Après, je sais pas s'il y a d'autres objectifs, mais. Je crois qu'il disait de juste détruire le temple. Hein. Ouais, bah voilà. Je sais pas s'il y a des trucs sur les bords des maps. Enfin, de la map. On n'a pas trop été voir. Mais je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense que là, bon. Fais-moi le petit gazier. 34 ici, paf. Allez, le temple qui dégage. Et voilà, c'est détruit. Ah merde! Ah merde, c'est pas fini. Du fou coup, faut que j'emmène le cristal maintenant. Où là-bas? Mais goût. Y a un Nexus là. Ok, il y a encore des trucs. Il y a encore les choses. Hein, on avance tranquillement. On va tout. Bah, de toute façon, on va tout péter. Ah putain, il y a du rouge maintenant. Il y a une base rouge. Ah ouais. Ils bossent pas, eux. Bah eux non plus du coup. Eux non plus. Ça y est!
l'impression qu'il Il fait référence aux hybrides. Hein. Visiblement. Je n'ai pas fait C2, je vais pas trop vous spoiler, mais... Enfin, spoiler. Ça a presque 15 ans quand même. Mais la fusion Zerg-Protoss va effectivement avoir lieu, quoi, en gros. Et ils en parlaient déjà à l'époque dans ce jeu-là, dans cette mission. C'est cool. Et voilà. On a terminé la mission Z... la campagne Zerg hein, du premier StarCraft. On va voir s'il y a une cinématique de fin. En général, il y en a une, mais on va voir. Ouais.